Les déglingos, les déconfinés, reconfinés, c'est le 1er novembre 2020, là où tout augmente encore, chaque premier ou quoi? Au mois de novembre apparemment. Ça augmente, ça pousse, ça tousse, ça s'accélère, ça vous rend dingue. Mais quand est-ce que ça se termine? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait respirer? Non. Si? Non. Non? Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose? Est-ce qu'on a simplement le droit de fermer sa bouche? Est-ce qu'on pourrait dire ce qu'on pense? Non? Non. Non? Est-ce qu'on pourrait justement respirer et dire ce qu'on pense? Et réfléchir et le dire? Non. Si? Non. Non? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas avec la barre de fer avec laquelle on peut tout faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut juste rentrer chez soi. Il faut juste fermer sa bouche. Il faut juste arrêter de réfléchir, se débrancher, ou plutôt s'enthousiasmer pour décompresser et sans arrêt regarder ses imbécilités, ou plutôt se rebrancher, reprendre force, plein les poumons, plein la tête, tête bien faite, bien réfléchir, bien commenter, bien échanger, bien vivre. Faire attention à son prochain, s'attarder, prendre du temps pour quelque chose, ne pas compter son temps, même si le temps passe vite, prendre le temps véritablement, parce qu'ensuite c'est du luxe, et là ensuite, ce côté fier que vous retrouvez, parce que vous avez fait quelque chose de neuf que vous n'aviez jamais fait, parce que vous êtes quelqu'un, parce que vous valez quelque chose, ça c'est important. Et ce ne sont pas des mots en l'air, les mots que vous utilisez sont une partie de vous-même. N'écoutez pas ceux qui vous disent « ce ne sont que des mots, ce ne sont pas des actes ». Les actes commencent par des mots, par des réflexions qui sont les vôtres, par des mots que vous pouvez prononcer, parce que vous pouvez justement bien axer votre pensée. Donc les mots sont importants, les actes également, mais les mots également. Ce que vous écrivez, ce que vous pensez, ce que vous avez en tête, c'est une analyse que vous pouvez faire. Mais ces mots que vous sortez de votre bouche sont importants. Vous pouvez faire des synthèses, vous pouvez prendre une direction, vous pouvez beaucoup plus comprendre ce que vous dites, pourquoi certains donc, d'entre vous parlent parfois aussi à voix haute. C'est important, absolument important, pas forcément de parler tout le temps, mais d'avoir des mots qui sont les vôtres et pas ceux qui proviennent des médias ou n'importe quoi, que vous récupérez de père en fils ou de mère en fille, l'un ou l'autre. Le Toons a toujours raison. À demain pour de nouvelles aventures extra. Ça, Toons, 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 Toons.